philosophical content of his writings. That is, he doesn't ask how Plato's philosophical views determine the way he deals with or transforms traditional, cultural, and religious patterns. It is a very interesting book. The comparison is a very interesting one, and I would like to give you a taste of this book in summing up the main line of the comparison between Socrates and Aesop, given in the chapter 5 of this book. So first I will list the affinities the author sees between both characters, and then I will pass to the differences and to the general conclusion he draws from this comparison. So the first similarity, according to Zafiropoulos, between the literary portraits of Socrates and Aesop is their ugliness. They are both figures which are characterized by the ugliness in the literary tradition which present them. Secondly, they were both compared to similarly zoomorphous creatures, to the satyrs, so both are similar to the mythological character of a satyr. Thirdly, their appearances are sharply contrasted to their excelling, their outward appearances are sharply contrasted to their excelling mind and character. Fourth, both Socrates and Aesop belong to the lower social strata according to Greek standards. Socrates was presumably poor, not of noble birth, whereas as a slave, Aesop belonged to the lowest social graph. Next, both were recorded as the first introducers or inventors, the heuretai, of particular literary genres or fields of discourse. Aesop for the fables and Socrates for philosophy as the practice of dialectics, of the elenchos, and of the meiotic method. Both were said to have acquired their respective logoi out of divine providential agency. Fifth, likewise, their characteristic logoi, logoi from Aesop's logoi and Socrates' logoi, also turned to be the cause of their death. Their respective logoi and the ways in which they handle them in response to their social surroundings generate trouble for both. Sixth, they are both falsely accused of religious crimes on charges of impiety and sacrilege, respectively. They are tried by a collective body. During their trial, they both refuse the charges and devalue the court. They both resort to their respective logoi, which, however, this time fail to dissuade their audiences. And finally, they are unjustly condemned to death. Before the execution, they are incarcerated and they are visited there by friends. So these are the main similarities between the portrayals of both characters. On the other hand, our author says, it is their different attitudes to approaching death that most characteristically set them apart. To the bland, dispassionate, noble-minded Socrates is juxtaposed the agonizing, crying, begging, and self-abased Aesop. His is a more prosaic, materialistic view of death as the ultimate misfortune and end. Socrates is that of death as an opening, liberating gate to the afterlife of the soul, on which there is not a single mention in Aesop's work. Plato sought to highlight the philosopher's superiority against the fabulist as regards his preparation and his divine safeguard with respect to dying. And this perhaps explains, he says, the author says, the introductory cross-references to Aesop in this dialogue, namely as a narrative background and a negative one
with respect to reactions at the face of death to which Socrates' exemplary stance should be compared. So then there is a sort of conclusion of this comparison. In sum, the comparative reading of Socrates and Aesop's literary portraits argued in favor of a deliberate mention of the fabulist by Plato in the introduction of the Phaedo, namely a meaningful and strategic choice by which Plato sought to remind the renowned precedent of an unjust murder of a Sophos. So this is stressed via the underlying references to the ritual murder of the Pharmakos, to whom Socrates' death, like Aesop's, can be parallel. As a result of their comparison, the philosopher turns out to stand higher than the fabulist, not only with respect to the cognitive and moral worth of their logoi, but especially as regards its benefit to mankind, namely salutary discourse in the Phaedo. So these are roughly the main theses of the author of this interesting monograph comparing Socrates and Aesop. Je vais passer à l'autre livre, qui est celui du professeur Giovanni Casertano, qui va parler dans quelques instants, en fait, sur un thème qui se trouve dans le sous-titre de ce volume. Alors, le volume est intitulé Fedone o dell'anima, avec un sous-titre Dramma etico in tre atti. C'est un volume qui est paru l'année passée, 2015, en automne, je crois, ou en hiver, et qui, en fait, comprend une nouvelle traduction en italien du Fédon par Giovanni Casertano, avec testo greco in fronte, avec le texte grec en face. C'est le texte de la dernière édition d'Oxford, mais qui est très beau parce que c'est agrandi, ça se lit très bien. Voilà, on a le texte grec, on a la traduction, une nouvelle traduction italienne, et on a un commentaire, un grand commentaire lemmatique qui suit le texte et qui comprend presque 250 pages. Alors, un commentaire très détaillé, très fourni, basé sur l'étude de la littérature concernant le Fédon tout entière, y compris les contributions les plus récentes. Alors, il y a ce commentaire-là qui fait une partie essentielle de ce volume, à quoi s'ajoutent encore deux annexes. Le premier annexe, appendice, qui est intitulé « Anima morte, immortalità », il présente en quelque sorte l'interprétation globale, l'interprétation d'ensemble du Fédon par Giovanni Casertano, centrée sur ces trois thèmes fondamentaux du dialogue, l'âme, la mort, l'immortalité. Et il y a un second appendice, les deux sont des études plus longues, le second appendice qui est consacré au thème de la réminiscence, réminiscenza anamnesi, et qui en partie reprend une étude publiée auparavant, mais qui a été retravaillée pour ce volume, et qui apporte de nouveaux éléments par rapport à la publication précédente. Alors, ces deux annexes complètent le volume. Il y a une bibliographie abondante, et évidemment tout à fait mise à jour. Et il y a au commencement du volume une présentation assez fournie des personnages du dialogue, de tous les personnages qui apparaissent dans le dialogue. Alors ce trait du livre, cette présentation des personnages m'amène à caractériser ou à parler de la spécificité de ce volume-là.
Parce que jusque-là, il a semblé que voilà, c'est quelque chose de très classique, une nouvelle traduction, le texte original, le commentaire, les appendices, etc. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus que ça. En fait, ce volume, c'est une tentative de l'auteur de présenter le Phédon, pas seulement comme un dialogue que tout le monde plus ou moins connaît, mais de le présenter précisément, comme il le dit, comme un drame éthique en trois actes. Alors, pour le présenter comme une sorte de pièce de théâtre. Et c'est pourquoi aussi il accorde beaucoup d'attention déjà à la présentation des personnages, comme au début d'une pièce de théâtre, on a la liste des personnages. Et surtout, on voit cette présentation du Phédon dans la structure du livre. Alors, le texte du dialogue, il est divisé en parties, qui sont les actes précisément, au sens des actes d'une pièce de théâtre. Il y en a trois. Et ces actes, à leur tour, ils sont divisés en scènes particulières. Alors, en fait, c'est comme si cette présentation du Phédon était destinée au metteur en scène. C'est comment il faut présenter le Phédon sur la scène. Or, ces trois actes ne sont pas de grandeur tout à fait comparable. Le premier, ça va du commencement jusqu'aux objections de Simmias et de Cébès, jusqu'à l'argument de l'harmonie et l'argument de Cébès sur l'âme qui survit les corps, mais qui n'en est pas encore indestructible. C'est le premier acte qui comporte 10 scènes. Il y a un second acte qui commence avec l'intermezzo sur la mythologie et qui va jusqu'à la fin de la présentation des principes de la méthode, de l'hypothèse des idées, de la méthode socratique, et qui comporte 5 scènes. Et le troisième acte, il comprend le dernier argument en faveur de l'immortalité de l'âme lui-même. Ça commence avec les exemples du froid et du chaud. Il comprend dans un second acte le mythe final du Phédon et la dernière scène du troisième acte, c'est la mort de Socrate lui-même. Voilà, c'est la division du dialogue. Et à ces divisions s'ajoute quelque chose qui est très particulier pour ce volume et qui appartient à sa grande valeur, c'est que chacune de ces scènes est accompagnée d'une sorte de, on pourrait dire, de résumé, mais ce n'est pas un résumé au sens d'un argument centré surtout, disons, sur le contenu argumentatif. C'est plutôt quelque chose qui rappelle une didascalie, hein, une didascalie au sens du texte accompagnant une pièce de théâtre est destiné à l'intention du metteur en scène, des acteurs ou des lecteurs. Et le sens de ces commentaires, ce n'est pas seulement de résumer l'argument de cette partie du dialogue, de chaque scène, mais c'est de souligner, de faire ressortir, de mettre en valeur les éléments dramatiques de ces passages. Et c'est très particulier, c'est très beau, et il me semble que Giovanni Casertano, qu'il a réussi vraiment à souligner cette valeur dramatique du Phédon, qui est, me semble-t-il, indéniable. J'avais moi-même toujours le sentiment, en lisant le Phédon, que c'est le dialogue le plus dramatique, en quelque sorte, parmi les dialogues platoniciens, et c'est précisément ce qui est mis en valeur par ces didascalies
accompagnant chaque scène du dialogue. Pour vous donner un peu l'exemple du genre de ces didascalies et de la beauté de cette présentation, de cette mise en valeur du côté dramatique de Phédon, je citerai quelques lignes, quelques passages que Giovanni Casertano a consacrés à la scène dans laquelle, à la scène qui présente l'argument des contraires, le Palaios Logos 69 et jusqu'à 72 D. Je lis son commentaire. Questa scena che dobbiamo immaginare recitata con velocità, il veloce susseguirsi delle battute e dei rapidi ragionamenti di Socrate, inframezzato dagli assensi, dalle accondiscendenti riposte di Cebete alle domande socratiche, fa sorvolare l'ascoltatore, lo spettatore e il lettore sulle molte incongruenze logiche dell'argomentazione. E Socrate interprende la sua performance, iniziando appunto dalla premessa della richiesta di Cebete e dando per acquisito ciò che avrebbe dovuto dimostrato che esiste un luogo, l'Ade, nel quale si trovano le anime degli uomini morti, del quale esse provengono, ritornando sulla terra e quindi rinascendo dai morti. L'acquisizione è fatta naturalmente sulla base di antichi racconti e comincia la danza della morte e della vita, nella quale i due termini si scambiano le posizioni e i ruoli, si confondano i significati, si accavallano i sensi. Sullo sfondo c'è una realtà concreta, tangibile, esperibile di chiunque, l'uomo morto. Una realtà che appare quasi estranea della danza del suo corpo, e specialmente della sua anima. I vivi dunque nascono dai morti. Ma chi sono i vivi e i morti? I vivi non possono essere gli uomini, che infatti sono morti, e i morti non possono essere le anime degli uomini morti, che infatti esistono nell'Ade, e quindi si presuppone che siano vive. Sotto un passaggio. Je passe à la conclusion. Questa danza verticosa in cui Socrate ha trascinato Cebete desideroso di sapere come l'anima possa esistere con tutte le sue facoltà dopo la morte dell'uomo, un Cebete prima accondiscendente, poi dubbioso, poi definitivamente convinto alla fine che le cose dette da Socrate sono vere, ha un effetto principale scenico, teatrale, nel quale i sensi delle espressioni si accavallano e si confondono. Chi rivive non può essere l'uomo concreto, che infatti è morto e non rinasce, dovrebbe essere la sua anima, ma la sua anima non può rivivere perché non è mai morta e non fa che viaggiare dall'Ade alla terra e viceversa. Una danza che si chiude sullo stesso motivo sul quale si era aperta. Le anime dei morti dunque stanno nell'Ade, che era esattamente il presupposto esplicitamente mitico dal quale si era partiti e che ora invece viene affermato come se fosse la necessaria conclusione di tutta l'argomentazione. Or, c'est un peu dans ce style, ça se prolonge, que Giovanni Casertano commente, accompagne le texte du Phédon en aidant au lecteur de bien voir, de bien comprendre la dimension dramatique de ce dialogue. Je voulais encore passer à l'autre élément du sous-titre. Alors, on dit drama ético, il y a le côté dramatique,
Mais je vais déjà finir. Mais il y a aussi le côté éthique. Alors, l'une des thèses de base de cette interprétation par Giovanni Casertano du dialogue de Platon, c'est que c'est un dialogue vraiment éthique, dont la finalité consiste en quelque sorte dans l'édification morale du lecteur. Ça, on le voit surtout dans le premier appendice, dans lequel vous allez trouver l'interprétation de base, globale, du Phédon de Platon par Giovanni Casertano. Je recommande vivement ces deux livres à tout le monde. Merci pour votre attention.